Moi, je suis Madame Fopa. Je sors de Douala, plus précisément à Colombo. L'histoire de sa vie au travers de son témoignage sera un réconfort pour plusieurs et un encouragement pour certaines qui, dans le monde entier, ont sombré dans le désespoir et le découragement face aux différentes épreuves. Bien, le ministère, je l'ai connu par. Je dirais que le Seigneur, c'est lui-même qui me tient la main pour venir au ministère. Pourquoi? Parce que c'est dans le rêve qu'on me conduit vers le ministère de la liberté. Ce jour, cette période, j'étais tourmentée. J'avais tellement de problèmes. J'étais déprimée même. Je regardais devant, derrière, je ne voyais personne. Et avant ça, je menais une vie, la vie que je menais avant d'y arriver. Donc, tout pour moi, c'était les boîtes de nuit, la boisson. Donc, je ne pouvais pas, j'avais oublié Dieu. J'avais oublié Dieu. Noyer les soucis pour moi, c'était aller danser dans les boîtes de nuit, aller boire les bières, aller se balader avec les copines, tout ça. Bon, cette nuit-là, quand le Seigneur me visite, je me couche. C'était un samedi. Je vois dans mon songe une partie de mon mur de la chambre avec une lumière très vive. Et sur cette lumière est écrit Liberté en haut et Liberté en bas. Je sursaute du lit et dis, mais tiens, qu'est-ce que je vois la lumière dans la chambre? Après, je dis, ah, c'est le rêve, je me couche encore. Quand je me recouche, quelques minutes après, je revois le même songe. Je l'ai vu comme ça 3 fois le premier jour. Bon, j'ai négligé que. Ah. Deuxième jour, le dimanche, ce même songe me revient. C'est où j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, mais tiens, il semble que j'ai trempé sans connaître. Les amis m'ont entraîné. Je suis allée quelque part sans me rendre compte. Quelle est cette lumière qui m'empêche de dormir depuis 2 jours aujourd'hui? Je commence à m'inquiéter. Puisque je ne priais pas. Je me couche encore. La lumière me revient encore. Je dis, mais tiens, en ce moment, je perds le sommeil, je ne dors plus. Je commence à me balader. Et directement, j'ai eu les frictions, la chair de poule. Dans ma tête, c'était que j'avais trempé. Les amis m'ont entraîné, j'ai mis la main où il ne fallait pas. Dans la vie, il y a des rencontres qui changent les circonstances de notre existence. Lorsque nous descendons notre temps de grâce, c'est ainsi que cette dame que voici a reçu une visitation divine forcée de la part du Seigneur au travers d'une succession d'accompagnements. Je suis restée tranquille. J'ai vu comme ça toujours 3 fois ce jour, cette nuit du dimanche. Lundi. Et je n'ai pas toujours dit à quelqu'un, je gardais ça pour moi puisque je me posais des questions. Lundi, dans la nuit, à la même heure, c'était toujours aux environs de minuit, 1 heure, le même songe me revient. C'est où je me lève. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive? J'appelle une soeur, je lui dis, mais tiens, j'ai un problème ici que je n'arrive pas à expliquer. Elle me dit quoi, je l'explique. Elle me dit, ah, c'est le rêve. Je dis, rêve successivement 3 jours. Elle dit, oui, en tout cas. Elle me dit, couche-toi, tu dors sur le rêve. Demain, on va en parler. Cela, quand ça me revient la deuxième fois ce jour, une voix me revient en disant, lève-toi et vas-y, cherche cet endroit. Je me lève, je m'assois sur le lit. La peur, la sueur a commencé à couler sur moi. Malgré ça, j'ai encore plus le courage, je me suis couchée. La voix me revient en disant, n'hésite pas, vas-y à cet endroit. C'est où je pose la question que je ne connais pas l'endroit. Je ne sais où vous m'envoyez, je ne vous connais pas. Vas-y à Yassa. La première moto qui se placera devant toi, monte et il t'y amènera. C'est comme ça que je me lève, je commence à paniquer. Ce jour, je ne suis pas partie. Mardi donc, je me pose encore la question. En journée comme ça, elle dit que non, il faut que je parte. C'est où j'appelle mon époux. Je lui dis, mais tiens, j'ai un problème ici. Il me dit lequel. Je l'explique. Il dit, il n'y a pas de problème. Je lui dis, mais est-ce que tu connais ce lieu? Parce que moi, je ne le connais pas. Il me dit que
Viens, on va aller. Puisque tu as eu une voix, allons-y. On ne sait jamais. Mardi, je lui demande, on pardon à quelle heure? Il me dit, bon, mardi dans la soirée, je serai libre, on va y aller. Mardi donc, à 16h, c'est lui qui est déjà à Yassa pour m'appeler. Tu es où? Je lui dis, j'arrive, puisque moi, je n'avais même pas le courage de venir. Je lui dis, j'arrive. Dès que j'arrive, il est placé là. Dès que j'arrive à côté de lui, c'est une moto qui se place, Liberty. Il me regarde, je lui regarde, on ne se dit rien. Directement, il fait juste là un geste de main, monte. Je monte, lui il se met derrière. Nous, on se disait qu'on devait nous amener vers le quartier. Curieusement, on voit, il prend l'axe lourd. Il me dit, tais-toi. C'est comme ça que la moto nous conduit jusqu'ici. Quand on descend de la moto, c'est là où il me dit que, mais tiens, ça doit être l'église. Une église, je dis, ah, je ne sais pas. Avec toute la peur, nous sommes tenus la main. Et il y avait, curieusement, culte ce jour, ce mardi-là. Je lui dis que, mais tiens, il y a les chants à l'intérieur. Il me dit, oui, il y avait, on est en train de chanter les louanges. Il m'arrête la main, on entre avec la peur. Les huissiers ont constaté notre peur quand on entre, ils sont venus vers nous. Ils disent, soyez les bienvenus. On répond, ils disent, mais vous êtes étrangers ici. On dit, oui. C'est là où ils nous conduisent, ils disent, n'ayez pas peur. Relaxez-vous. On nous conduit maintenant, on nous met loin devant. Nous nous asseyons. La louange, pendant la louange, je lui dis que, mais tiens, on parle de Dieu. Où on parle de Dieu, mettons-nous dans le rang. C'est comme ça qu'on se lève, on commence à louange, on commence à danser, à danser. Quand Daddy descend maintenant, il arrive. Première des choses, c'est nous qui localise. Quand il nous localise, il nous pose des questions. Vous venez d'où, on lui dit. Il rit. Elle sera orientée par le génie lui-même par révélation au ministère international de la liberté, centre de la libération et de la restauration totale. Écoutez ses propos. Apparemment, tu as trop de problèmes. C'est comme ça qu'il nous touche, nous bénit ce jour-là. Mais ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que l'évangile prêché ce jour, c'était, on parlait d'Exode 39, d'où on parlait de l'histoire de Joseph. Quand il a prêché toute la soirée là, je voyais que c'est comme si c'était ma vie. C'est comme si c'était de moi. Et à compter de ce jour, la façon de faire, la façon de louer, d'adorer, j'ai ressenti comme si une charge, comme si je me déchargeais d'un poids très lourd. Donc nous sommes sortis étant très relax. Et j'ai dit à mon époux ce jour, à compter d'aujourd'hui, appelle-moi Joseph. Je suis Joseph. Il me dit comment, il dit que non, voilà mon histoire qu'on a racontée, qu'on a prêché, qu'on a médité. Et cela, c'est le nom de Joseph qui apparaît donc à compter d'aujourd'hui. Je suis Joseph de ma famille. C'est comme ça que nous avons pris le goût. La prière, j'ai grandi dans la prière, avec les religieux, je dirais. Toute mon enfance, j'ai grandi, mais j'ai donc... S'il fallait parler de vocation, peut-être je devais être une religieuse quelque part. Mais hélas. Cependant, ce qui m'a été curieux, c'est que je ne parvenais pas à lire la Bible. Quand je prenais la Bible là, donc ça me donnait juste le sommeil. Je ne parvenais pas à lire la Bible. À Liberty, j'ai su comment lire la Bible. J'ai eu le goût jusqu'à quand je reste. J'ai envie. Parce que moi, j'avais deux téléphones Android. Deux téléphones Android, pourquoi? Parce que il ne fallait pas, j'étais constamment sur Internet, il ne fallait pas que l'un s'éteigne sans que l'autre soit allumé. Mais, quand j'ai commencé Liberty, j'ai d'abord commencé par mettre le truc, j'ai pris le goût de la Bible. La prière, la façon de prier, c'est là, c'est à Liberty que je me rends compte que je ne connais pas prier. C'est à Liberty que je prends vraiment cette onction de prière. Petit à petit, je relâche. Je n'ai plus le goût d'aller boire la bière. Je n'ai plus le goût d'aller dans les boîtes de nuit. Et puis, en ce moment, c'est alors un combat. Ma vie devient encore de plus en plus très, très difficile. Je suis délaissée. Je suis humiliée. Je suis insultée. Je suis même rejetée par ma propre famille. Donc, à un moment donné, je suis restée seule debout. Je n'avais ni devant ni derrière. Mais j'ai dit, mais tiens, si le Seigneur m'a conduit par là, je ne faillirai pas, Seigneur. L'histoire de Joseph que j'ai entendue là, je ne pourrai pas faillir. Je vais continuer. Je ne faillis pas.
et je ne fais pas marche arrière. Je vais aller jusqu'au bout. C'est comme ça qu'à un moment donné, même mon époux a commencé à me renier. On a commencé avec les disputes à la maison. Le fait de venir à l'église, la carrément refusé qu'il ne venait plus à l'église. Même la prière au niveau de la maison, il refusait déjà la prière. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit que fous-moi le camp avec ça. Comme je me lève dans la nuit pour prier, un moment dit, je ne veux plus que tu allumes. Quand tu allumes la lumière, ça me dérange. Je dis, mais tiens, Dieu, je ne faillirai pas. Appelle-moi Joseph. Voici comment je lui répondais. Je ne faillirai pas, Seigneur, je suis Joseph. C'est ainsi que j'ai persévéré. Quand mon époux a commencé, ça a été trop difficile pour moi. Je marchais à pied pour venir ici. En ce moment, on sortait même tard. Les trois jours de la semaine, je ne manquais aucun jour. Je marchais à pied, aller et retour. Parfois, je venais, j'ai même 25 francs dans ma main. Quand j'arrive ici, quand on s'aime, je regarde les 25 et je dis que, mais Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Et je te donne avec amour. Je ne vais pas mettre les 25 francs là. Quand je ressors, je marche à pied et en chantant. C'est ainsi que j'ai persévéré. Ça a été tellement difficile. Ça a été difficile. Quand on s'aimait, je faisais l'effort. À la maison, ça n'allait pas. Même manger, je ne parvenais pas à manger. Mais je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas croire. Puisque à un moment donné, même la ration, je n'avais plus de ration. Mon mari m'avait abandonné. Abandonné au point où, quand il sortait comme ça, même se demander si je peux manger, il ne le faisait pas. J'avais un champ de manioc à côté de chez moi. En l'écoutant, nous pouvons observer au travers des propos de son témoignage, sa venue au ministère international de la liberté avait été divinement orchestrée par un enrangement divin. Un jour, la famine, tout le monde avec la famine, me voilà, je sors de ma prière, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Deux jours sans manger, est-ce que c'est possible? Je vais dans le champ de manioc, je m'agenouille au pied d'un pied de manioc. Je dis, Seigneur, toi seul connais la raison pour laquelle je suis à cet endroit. Toi seul connais la raison pour laquelle c'est la famine qui m'amène ici. J'écarte un peu, je coupe, je retire un manioc. Cela, je n'ai pas fait bouillir, je mange. Je mange et je ne mange pas seul, je garde pour lui. Quand il revient et quand il faisait ça chaque fois en dormant, j'ouvrais la Bible, je déposais sur sa place. Et je me couchais, je dormais. J'ai mangé ce manioc ce jour. J'étais très contente. Et j'ai remercié le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui me l'as offert. Je te remercie, je te rends grâce. J'ai passé comme ça là, plus de 2 ans. Lui et moi, ça n'allait pas. C'est alors qu'on s'aimait ici, l'année passée, quand Dadi recevait la famille. Je suis venue, j'ai semé pour la première fois. S'aimer même, je ne savais pas d'où me venait l'argent. Je vous dis sincèrement, c'est Dieu seul qui connaît quel miracle il me donnait, il me faisait pour que je puisse aimer. La deuxième fois, quand je viens, je dis, Seigneur, je veux faire comment pour pouvoir l'amener. Directement, un instinct me vient de lui dire que Daddy veut le rencontrer. C'est là qu'il rentre ce jour. Je lui dis, mais chérie, s'il te plaît, Daddy veut te voir. Il me dit, comment ça, il veut me voir, pourquoi? Je dis, non, il a demandé que je te fasse venir, c'est très urgent. Par la grâce de Dieu, ce jour, il a accepté. C'est là que je l'amène ici. Il ne savait pas. Il ne connaissait même pas les conditions pour lesquelles je l'amène. Je l'amène ce jour, on s'assoit là. Daddy a un peu retardé de venir. Il voulait me dire à bouder. Je dis, non, s'il te plaît, tu es déjà dans la maison de Dieu. Attention, Dieu seul sait ce qu'il veut te faire. On est resté quand Daddy arrive. Daddy nous a reçus. Après ça, il a vu, il a dit que il y a une sorcière qui est en train de nous combattre. Et tout était bloqué dans notre vie. Même ses affaires, tout était arrêté. Rien ne marchait plus. C'est comme si le ciel était tombé sur notre tête. Mais moi, je persévérais dans la prière le jour, la nuit. La prière était devenue ma nourriture. Je priais pour lui. Je venais ici même les jours simples. Les jours qui ne sont même pas les jours de l'église. Je me lève, je marche, un, deux, je pars. Parfois comme ça, sans manger. C'est comme ça que j'ai persévéré à partir du moment où je suis venue avec lui, il nous a reçus. Daddy a déclaré. La même semaine, j'ai commencé à voir le changement dans ma vie. Quand on donnait les divoires, je voyais comment les gens sèment les sacs de ciment. Je dis, oh Dieu, souviens-toi de ceux qui ont la volonté, mais qui manquent les moyens. Bénis toutes ces poches-là qui sont en train de donner.
Père, souviens-toi aussi de ceux-là qui n'ont pas, qui ne croient pas à cela. C'est ainsi que chaque fois qu'on s'aimait, je priais. Me voici aujourd'hui. Le bonheur s'est déversé dans ma famille. Le bonheur s'est déversé. Tout est décanté. Mon mari est revenu à la maison. Sa situation sociale a changé. Tout le blocage à ses affaires sont revenus à la normale. Nous avons la grande surprise qu'il m'a faite. Voici, samedi, le 29, qui était avant-hier. Qui était hier, oui. Voici comment nous avons célébré notre alliance. This couple, a couple of years ago, were going through a lot of hard times. Right up to the moment where Daddy, our father in the Lord, announced family seed sowing. So the Holy Spirit penetrated the wife, and from there, she had the grace and the courage to convince the husband, whom before then was refusing to come to church. He was at first a very fervent member of the church, even a partner. He was in the partners group. But at one point, just desisted. This is what the devil will do if he wants to bring you to point zero. By the special grace of God, God used this woman, and the husband accepted to come. As they came here on the altar, our father in the Lord declared in their life that there was a witch that was troubling their life, and that as he is praying to them right now, that they are completely restored in the name of Jesus. One thing she did not say is that she left the path of open doors behind. It is not just marital open door that was open. Immediately they left that altar here that day. The man here, Mr. Fopa, his business and affairs got open. Open doors. Hallelujah. And this is what led to their celebration of the marriage. You and I know, child of God, to be able to celebrate marriage, you need money. It's because of the open doors that God opened their doors and finances were flowing. That last Saturday, this past Saturday, they celebrated not just their traditional marriage, but they also celebrated their court marriage. Hallelujah. Unfortunately, they forgot the marriage certificate in the house, but they had the image here that they will present. Hallelujah. So they will be presenting their marriage certificates there on the board. Et nous avons commencé par le traditionnel avant d'arriver au civil. Je rends vraiment grâce à Dieu. Aujourd'hui, je me presque tous les dimanches, au moins trois fois sur quatre par mois, je sème. Le sac de ciment que je pleurais tant, maintenant je donne à temps et à contre-temps. Je marche en chantant, dont le bonheur s'est déversé. Je ne peux pas citer dans tous les sens. Je rends grâce à Libati. Je rends grâce à Eriksen. Quand vous marchez là, c'est la persévérance, c'est la prière. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas pressés. Parce qu'il y en a qui viennent là, quand on prie peut-être quelques deux jours, ah Dieu là c'est mon nom. Moi je peux venir là aujourd'hui, je reçois. Toi tu viens, peut-être je te trouve même. Depuis 10 ans tu es là, tu n'as pas encore reçu. Examine ta foi. Examine-toi. Et puis le temps de Dieu est le meilleur et il n'est jamais trop tard. Souvenez-vous de la Bible, de certains personnages de la Bible. Abraham, lui, il avait été béni à quel moment? Donc, mes frères et sœurs, le message que je viens vous donner, c'est que Libati ne trompe pas. Libati m'a métamorphosé. Aujourd'hui, je ne goûte plus même l'odeur de la bière. Je ne goûte plus à la bière. Quand je vois même que les gens assis au bar, là, moi, ça me fait... Non, j'ai cette vie-là. Je suis... métamorphosée, je suis une autre personne. Je suis une autre personne aujourd'hui. Ma vie est devenue vie de prière. La prière est rien que la prière. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce au prophète Eriksen. Parce que c'est lui, grâce à lui. C'est lui, c'est lui que le Seigneur s'est servi de lui. Donc pour vous qui avez encore les doutes, franchement, il y en a qui me reconnaîtront là-bas par rapport à tout ce que je dis. Parle de boîte de nuit et boisson. Il y en a qui visionnent et qui me reconnaîtront. Donc, je vous dis, si vous êtes déprimé,
Si vous avez des problèmes, si vous êtes désespéré, ne doutez pas, venez à Liberty. Rencontrez le serviteur Eriksen. Monsieur Fopa, vous avez vu ce que le Seigneur a fait pour vous. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ce que le Seigneur vient de faire dans votre vie et dans votre famille? Amen. 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 Notre Dieu est un Dieu vivant. Et avec lui, tout est possible. C'est le message que je vais vous passer ce matin. Rendons grâce à Dieu à tout moment. Hallelujah. Can we put our hands together for Jesus? Hallelujah.